pour prendre mesure contre le commissaire Aladin, qui était responsable commissariat, et DDO. DDO 1. DDO 1. Non seulement pour retirer de responsabilité, et deuxièmement, il faut gagner des suites, des sanctions pénales. Parce qu'il est dit clair, et on dit apprendre nous à l'académie, et il dit que refus d'apporter d'assistance à une personne en danger, c'est une infraction prévue par la loi. J'en ai dit hier là, et que DDO était là, le commissaire a été là, les tout monsieur après les a demandé secours. Pas de yon qui devait porter secours. L'autre policier qui était là, qui va même temps travail, qui vient là, qui tente des bagages là, qui vient pour venir bailler, policier aide pour aller retirer. Donc, on ne peut jamais oublier phrase, sa déclaration. Luc Eliezer, qui a dit, policier, monsieur, je connais nous contre bataille, je connais nous contre bataille. Je gagne, yon petit monde qui gagne 3 mois. Est-ce que vous avez quitté mourir, monsieur? Venez aider, nous ne pouvons pas avancer sur nous, mais vous envahi nous. Eh bien, le commissaire Aladin n'a pas voulu faire des armes pour monsieur à sauver les gens. Le plus triste dans tout ça, c'est que lui aller dans l'armurerie, lui ouvrir casier pour lui montrer que il a des armes. Les policiers ont persisté. C'est là ça, là ouvert machine. Et machine a gagné 5 armes là-dedans. 5 fusils. 5 armes longues, 5 manches longues à toute munition là-dedans. Qui donc de quitter policier ou mourir. Ça veut dire que non seulement il fait il commet infraction parce que il pas à aider policier yo, il pas porter secours avec policier yo qui c'est frère d'amio et yo dit nous académie ou te mettre pas en uniforme ou dans la rue. Je n'ai un monde qui a besoin d'aide et tant que policier faut bal aide faut porter l'assistance ou pas porter l'assistance son infraction pénale. Li commet infraction ça fait youn et deuxièmement le fait que zamio dans machine là, il pas voulait bail yo son acte de complicité. Et donc, nous-mêmes en dedans, SPN 97, nous mandons et nous commençons à écrire là dans le moment, inspection générale, non seulement pour saisir dossier et deuxièmement, prendre mesure contre tous les deux et responsables qui sont CPA et DDE. Qui mesure d'assistance DDE pour mettre avec les fonds de victimes? DDE ou pas pour mettre en rien, DDE ou pas pour mettre en rien, tout ça va dans le niveau. Ok, ça c'est dans le niveau, puis dans plus haut niveau institution. Ok, comment est-ce que le DG était voyé représentant, le représentant au Vilda, il y a autant de doléances là et de doléances. Et policiers ont toujours été morducus parce qu'ils ont dit que, et nous-mêmes, au niveau espionnage 17, avec de concert avec les policiers, nous accorder institution 3 jours francs pour prendre toutes mesures et puis pour toute bagaille dans le commissariat après tout non normal. Mais qui je comprends ça, nous avons problème sur le sécurité carnaval. Qui je comprends ça? Comment? Après tout ça qui nous passe là, on a pile policier et policier pour le sécurité carnaval la capitale là. Bon, sécurité carnaval là, il est entré dans 4 travail policier. OK, c'est ordinairement, c'est comme ça toujours, c'est comme ça toujours fait. Donc ça qu'arrivé que policier et des bruits de frustration ouais ça me dit là mais ça va pas empêcher que vous faites devoir yo. OK, faut que vous faites devoir. Ça qui arrivé que nous tellement prié, nous tellement demandé, nous tellement a dit mais qui problème nous gain mais ça nous besoin, ça nous besoin pas occuper nous, on est capable choisir et prendre décision soit pour camper travail pendant un certain temps. Là encore toute institution va pas camper travail. OK, donc la fête graduellement jusqu'à ce qu'elle arrive à 100% si on occupe. C'est 3 jours. 3 jours à passer, rien pas fait. De conseil avec policiers, on a toujours été avec nos policiers. Là pour l'autre niveau, je dis à ces commissariats qui étaient inactifs, ces policiers qui parlent travail, qui pas cap dans la rue, ils frustrés. Mais là pour l'autre niveau, qu'on a c'est la rue on apprend. Aussi simple que ça. Parce que c'est ton petit cache pour dire aux policiers avec nègre. Est-ce que vous pensez? On va pas penser ça non. On va penser ça parce que commissariat a gain effectif. Base a gain effectif. OK, l'on dit base, c'est-à-dire
et toute unité qui est effectif. Donc c'est un problème qui est plus haut, qui était au niveau de haut état-major là. OK. Qui te demande ça? 12 mars ça t'est arrivé et puis je dis ya, c'est ça que fait. C'est l'une des raisons. Responsable 12 mars là, on t'a dit c'est inspecteur. C'est l'une des raisons qui fait que reprocher inspecteur te reconduit. Et pour le moment qui mesure pour ta société qui au bail commissaire ça qui pas possible. Un. Il y a un. Je vous ai dit tout à l'heure là. Je suppose deux chargés de responsabilité. TDDO ou pas TDDO encore. TCP là, pas KCP encore. Ça c'est une. Et deuxièmement, il faut y aller à l'inspection générale. L'inspection générale a fini de faire ça le pour le faire dans le niveau. Parce que faut que administrativement, les choses soient faites. Et faut que les décisions internes soient prises. OK? Isolement. Confirmez pour vous. Après ça. Je ne sais pas, selon ça, la loi lui-même ni prévoit pour complicité et ensuite refus d'apporter l'assistance à une personne en danger, si pour l'aller et le pénitencier, il faut qu'il y ait le pénitencier. Est-ce que vous avez une opération dans le moment? Oui, tu as une opération. Merci. Tu as une opération. Ok? Et ceci, nous t'ai dit hier, et ça que nous surtout demandé pour le commissaire là, il est capable de clouer parce que classe Stanis. Il était en communication permanente avec elle sur un numéro V37 qui finit par V37. Il était en communication avec elle. Donc, pour y aller, pour faire des échappatoires, pour y retirer quoi, pour dire que il n'y a pas d'opération, c'était affaire personnelle. Et même si c'est affaire personnelle, est-ce que un policier n'a pas le droit à porter assistance avec un policier qui est en danger? Pour nous, porter assistance avec des citoyens. N'importe qui citoyen qui a porté assistance avec un citoyen pareil en danger, qu'en est-il de un policier pareil, un policier avec un rôle de policier? Donc, c'était une opération belle et bien planifiée. Après ça, tu as comment moral policier? Moral yo à zéro parce que tout simplement, le poko ouais commissaire Aladdin et ensuite DDO. Nous va courir aller dans pénitentiaire, commencer dans l'isolement. Mais ça a toujours fait pour nous. OK, c'est ça a toujours fait pour agent et c'est ça pour faire pour ni monde qui regarder et tout. Le commissaire va venir dans commissariat. Il va dire pas dans. OK, merci. Merci. Merci.